Allez-y, faites, faites le truc à moi. Hein. Déjà, je suis impressionné par plusieurs choses. L'outil, les machines, moi, ça me fascine. Cette presse-là est là depuis 1905. Et donc, sur cette presse qui fait environ 200 tonnes, eh bien, on va pouvoir réaliser toutes les mises en forme que l'on imagine. Donc là, en fait, c'est la gamme alchimie. Pour avoir échangé avec un de vos collaborateurs, je me dis qu'est-ce que vous sentez finalement de travailler sur une machine où il y a tant d'hommes, de femmes peut-être, qui ont travaillé là-dessus, quoi. C'est quand même incroyable. Il y a une histoire. Je trouve que c'est assez impressionnant de voir qu'il y ait des gens qui sont aussi fidèles à la maison. C'est quand même assez un signe. Regardez, ça change. Hein. Et là, j'ai 39 ans dans l'entreprise. Là, ici. Oui. Là. Mon grand-père. Là, c'est vous. Là, c'est moi, mon père. Le père et la mère. Et ma mère. Ah, vous pouvez être fier alors. Ah oui, ah, très bien. C'est super. Puis là, il y a ma nièce qui est là derrière. Ça fait 5 générations dans l'entreprise. Ah, mais c'est bien, c'est bon ça. Bravo. Ça veut dire que l'entreprise est bonne. Hein. Et exactement. Et puis, ce qui me touche particulièrement, bah, c'est le savoir-faire finalement. Ouais. Ce savoir-faire qui se transmet de génération en génération et qui perdure. Vous savez, les valeurs de la société, on les a résumées en 4 mots, dont l'acronyme, pour que tout le monde s'en souvienne, c'est pâté. Comme ouais. Le moule à pâté en croûte. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez ? Passion, authenticité, transmission et engagement. Finalement, quand vous faites le tour de l'usine, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais vous ressentez cette passion pour le métier et pour les produits. Quand je visite l'usine et quand je fais visiter l'usine et qu'on me dit les gens sourient, oui, ça me suffit. Ça me suffit parce que le sourire, c'est la passion, c'est l'authenticité, c'est l'engagement. Je vous chronomètre. 3, 2, 1, on lève les mains, c'est terminé. Voilà. Intéressant aussi pour avoir justement échangé un peu avec votre équipe, c'est la volonté de vouloir se projeter aussi et de toujours être curieux et d'être un peu visionnaire sur l'avenir, sur ce qui pourrait mieux se faire encore. Donc en fait, et ça aussi, ça fait partie un peu de mes traits de caractère, c'est de ne pas être dans l'immobilisme et de toujours essayer de faire mieux, de progresser, d'aller de l'avant justement pour évoluer et grandir.